bienvenue. Charles Gardin, d'accord. Qui nous va parler un petit peu de ce budget-là? Non, mais là, on va pas grave. On a toujours une consultation, mais continuer. Parce qu'il y a encore certaines consultations qu'on peut faire. Il y a une proposition qu'on peut étudier. Et d'ailleurs, mon dire tous les stakeholders qui n'avaient au dernier moment, je n'avais rien des papiers. Donc, on peut faire tout ça là. Mais donc, nous travaillons jusqu'à la dernière idée. Donc, là, on a un budget de la continuité, il parle toujours dans le même sens. Bien sûr, la continuité de nos visions qui nous est là pour continuer à améliorer le climat des affaires, pour qu'il y ait plus d'investissement, plus de création d'emplois, pour nous continuer à diversifier nous, l'économie et pour nous continuer à améliorer la qualité de la vie du monde. Seulement, vous pouvez dire, malgré que nous ayons aussi un facteur qui en dehors nous contrôle, pareil comment, quand nous ayons une augmentation de prix des produits pétroliers. Pourquoi tout le monde tout le monde qui ne peut pas faire démagogie, hein, réaliser que quand le prix pétrole augmente, mais nous acheter et nous avons payé plus cher, mais il y a une répercussion le prix qu'ils nous vendaient. Alors, il ne faudrait pas faire démagogie, comment l'opposition peut faire, mais dire, ah, d'ailleurs, Xavier Duval, enfin, on comprend l'affaire politique, mais lui-même, il y a une taxe qu'il y mettait lui-même. Alors, il peut venir dire, ah, tu veux dire une taxe, mais qui fait lui mettre taxe à l'époque? Mais seulement, nous devons faire bien attention. Parce que moi, ce qu'ils m'ont souhaité, bien sûr, il n'y a pas vraiment plaisir qu'il prie le pétrole augmenté, mais pour me dire, nous devons prendre précaution qu'il y a une denrée de base, comme du riz, la farine, comme le gaz, qui d'ailleurs, moi-même, m'a baissé. Alors, vous parlez que ça a une répercussion, ça coule là, ça toute cette denrée-là l'augmente. Exactement, une crainte qu'on dirait toujours du pain monté, du frais de transport monté, est-ce qu'il y a une possibilité? Mais, c'est ça. Moi, l'objectif, c'est que malgré qu'il finit dans sa augmentation dans le prix-là, nous sait de quelle manière nous limite les répercussions de sa augmentation-là. Et au niveau de l'eau, monsieur le ministre, pourquoi tu veux dire en discussion Au niveau de l'eau, il y a un consultant qui travaille, il y a une recommandation qu'il fait. Et ça aussi veut dire une affaire. Quand il fait une recommandation, il faut qu'on arrive à une discussion au niveau de tout le ministre, au niveau du gouvernement. Donc il y a un travail qui est encore besoin de faire. Vous voulez là, nous arriver à une fois que nous arrivons à une conclusion. Un petit peu avec la date 14 juillet pour un petit peu de Coupe du Monde, il n'y a pas une. Bon, moi, vous connaissez, mon travail, je ne travaille pas en fonction de, c'est pas une Coupe du Monde ou bien une Coupe ailleurs. Moi, je d'après mon calendrier, je d'après mon travail. Et pour moi, je trouve la date qui est appropriée, qui nous choisit, c'est le 14. Bon, vous comprenez, c'est Coupe du Monde, c'est l'ouverture, ça se joue là. Mais ouais. C'est le soir, non, l'après-midi. Le 16. Le 16, hein, le 16 qui fait l'ouverture? On va prendre calme. Le lendemain. Non, pourquoi une petite cérémonie, ça joue là. Mais vous connaissez beaucoup de monde, pas intéressé. Vous serez une Coupe du Monde. Une autre Coupe encore. Fin prend, bien sûr, je tiens remettre le rapport. Et livré, d'ailleurs, qui m'a tellement pris au niveau de la préparation du budget, qui m'a dit un petit peu les temps. Sitôt, bien sûr, le budget terminé, il peut être des bonnes priorités. Nous vous attaquons à ça et le gouvernement, nous va bien sûr discuter. Donc, et comment je tout connais, il y a des affaires bien compliquées, hein? Il n'y a pas des affaires faciles, il y a des affaires bien compliquées. Donc, il y a un peu de travail qui vous a continué à faire là. Alors, la photo qu'il y a sur le site.